Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire suite à mon partenariat avec la boutique en ligne Bibicraft. Avant de me lancer dans la vidéo en elle-même, je voudrais juste faire une toute petite parenthèse avant, une petite parenthèse un peu étrange mais nécessaire selon moi. C'est juste au cas où une personne professionnelle ou une personne qui est en recherche d'une vidéo professionnelle passe par là. Cette vidéo n'est pas faite par une professionnelle. Je fais du bijou en tant qu'amatrice. Souvent, mes bijoux, je les fais pour moi ou pour utiliser dans mon scrapbooking. Voilà. Donc, je sais très bien que je n'ai pas un haut niveau. Et je sais que mon matériel, ce n'est pas de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, etc. Je me fournis essentiellement chez Action, dans des petites boutiques en ligne pas trop chères. Et là, grâce à un partenariat, je vais pouvoir me faire de nouveaux bijoux. Mais voilà, je c'est pas la peine de me laisser un commentaire en me disant que ce que je fais c'est nul et puis que c'est niveau 6 ans. Je le sais déjà. Voilà, puisqu'on me l'a déjà dit en plus en commentaire. Mais très sérieusement, voilà, sachez que moi c'est sans aucune aucune méchanceté hein, que je dis ça, mais vraiment ce n'est pas une vidéo professionnelle, clairement pas. C'est juste un moment de détente avec mes scrap copines et les personnes qui ont envie de s'arrêter et de regarder. Voilà, et si je dis ça, c'est parce que ça soit quand je fais de la confection de bijoux, alors ça m'est arrivé une ou deux fois, ou sur les vidéos résine polyuréthane, résine époxy, etc. Dès que je sors du scrap, des fois les titres attirent d'autres univers et il arrive que certaines personnes soient déçues et le fassent bien comprendre dans leurs commentaires, mais ces personnes-là ne se sont pas rendues compte qu'elles étaient sur une chaîne non professionnelle, voilà, et qu'on était un petit groupe d'amis enfin voilà, que c'est des copinettes à moi maintenant qui regardent essentiellement mes vidéos et c'est pour elles essentiellement que je fais ça. Voilà, que je fais ce genre de partage. Alors je suis toujours accueillante avec les nouvelles personnes qui souhaitent s'abonner à ma chaîne, il n'y a vraiment aucun problème. Mais voilà, je ne suis pas professionnelle et je ne suis professionnelle de rien du tout. Je n'excelle dans rien du tout, mais comme je le dis dans ma vidéo présentation, je m'amuse dans tout ce que je fais. Donc c'est parti. Voilà. Alors, le matériel de Bibicraft, il y avait ces perles rondes avec des strass à l'intérieur. Aujourd'hui, j'ai choisi de me faire une paire de boucles d'oreilles avec celles dont les strass sont multicolores. Voilà. Et je vais également essayer de me faire, enfin je pense que ça devrait être réalisable, une paire de boucles d'oreilles avec un de ces pendentifs fleurs, mais je ne sais pas encore. Je pense partir vers les blancs et roses, cette association de couleurs-là. Si jamais je change d'avis, je changerai de perles aussi. Je verrai bien. Et je vais utiliser également, j'avais choisi ces tiges à bourron. Alors, est-ce que je vais pouvoir bien vous les montrer? Voilà. Hop. Et je pense que ce sera plus pour la deuxième paire de boucles d'oreilles, donc celle-ci. Donc, pour l'instant, je vais mettre ça de côté. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de tester la qualité des produits de chez Bibicraft et moi je suis satisfaite. Et j'avoue que il y a quelques années en arrière, j'achetais beaucoup et très très peu cher. C'était vraiment une misère, mais la qualité c'était la misère aussi. Donc mon petit conseil de non professionnel, mais de personne qui a quand même testé pas mal de choses dans le domaine quand même, c'est que il vaut mieux acheter un peu moins, même si c'est un peu plus cher, mais que la qualité soit quand même bonne. Surtout si vous faites vos propres bijoux. Voilà. Alors après, moi, c'est ce que je disais, hein, j'achète pas de l'or, de l'argent, parce que de toute façon, mes bijoux, ça ne me dérange pas qu'ils aient une durée de vie limitée, dans le sens où j'aime bien renouveler régulièrement et me faire régulièrement de nouvelles choses. Voilà. Mais quand même, c'est vrai qu'un petit peu de qualité, évitez que ce que vous venez de vous fabriquer se casse au moindre accroc, etc., que ça tienne quand même un peu, c'est quand même plus sympa, évidemment. Voilà. Moi, je n'ai pas racheté de choses depuis longtemps. Et donc, j'ai décidé d'utiliser tout ce stock, même les choses qui ne sont pas de très bonne qualité. Mais parce que ça me fera encore plus mal de les jeter à la poubelle. Et puis, quand c'est cassé, ben, je remplace ou je refais. Et puis, voilà. Donc, pour la première paire de boucles d'oreilles, il va me falloir
des petits anneaux comme ça. Hop. Non, pas ça, ça c'est argenté. Est-ce que je mettrais pas... Alors, il me faut des tiges avec un œillet au bout. Alors, quand je fais des bijoux, c'est comme quand je fais du scrap. Hein. Je suis capable de faire quelque chose et puis finalement, ça ne me plaît pas ou ça ne me convient pas et je change. Donc là, j'ai choisi des perles, c'est vrai, mais je ne suis pas certaine encore de ce que je vais faire. Donc, possible que je change d'avis en cours de route. Et si jamais c'est trop long, je ferai des pauses. Hein. Donc là, simplement, je mets ma perle en condition pour pouvoir être attachée. Voilà. Alors c'est pareil hein, pour les gestes, je ne sais pas s'il y a des gestes professionnels pour faire les choses mieux. Si vous êtes vraiment très très intéressé par la réalisation de vos propres bijoux, j'ai encore jamais regardé, mais je suis à peu près certaine qu'il doit y avoir des vidéos sur le sujet qui vous apprennent les bons gestes. Voilà. Moi j'aime toujours apprendre des choses, mais c'est vrai que au bout d'un moment je fais tellement de choses malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien. En tout cas, moi ça me fait plaisir, que j'ai pas le temps de vraiment détailler. Tout ce que j'aime faire quoi. Donc je passe certainement à côté d'astuces, de méthodes, etc. Vraiment pratiques. Mais bon. Quand on est capable de se faire une paire de boucles d'oreilles en 10 minutes, c'est cool quoi. Vous avez une nouvelle robe, vous avez une sortie de prévue, mince, vous n'avez pas les boucles d'oreilles qui vont avec. Hop. Vous en fabriquez une en quelques instants. Franchement, c'est génial quoi. J'ai une paire de boucles d'oreilles, mais ça peut être un bracelet, ça peut être un collier, enfin voilà quoi. Vous avez déjà sorti une perle. Je vais la remettre, hop. Donc là, je suis partie sur des perles transparentes, uniquement. Parce que dans mes petites boules, c'est des strass de toutes les couleurs et... je me suis dit que le transparent ce serait ce qui passerait le mieux, mais qui ajouterait un petit plus à ma boucle d'oreille. Donc, et je suis pas sûre encore pour les grosses perles. Hein. Je suis pas sûre de les mettre. Peut-être je vais en faire deux plus petites. Je vais essayer d'une façon et d'une autre. Hop. Donc là, avec un anneau, j'assemble mes deux perles, donc la petite et la grosse. Voilà. Ensuite, il va me falloir ça. Là, je repasse un anneau, je mets la boucle d'oreille. Il va me falloir un autre anneau. Alors j'aurais pu attacher les perles directement entre elles sans mettre d'anneau. Personnellement, j'avais envie de mettre un anneau. Je voulais que ça soit un petit peu long. Et puis je trouve que c'est joli comme ça. Plus ou moins, ça c'est vraiment une histoire de goût. Mais moi ça me plaît comme ça. Cette fois-ci, j'ai pas de règles définies quand je me fais des bijoux. C'est sur l'instant ce dont j'ai envie et aussi ce dont j'ai besoin. Voilà, j'ai des boucles d'oreilles, des bracelets faits par moi-même hein, de plein de façons possibles, inimaginables. Et c'est comme dans le scrap, j'ai pas un style fermé quoi. Hop. Alors là, je suis en train d'ajouter ma boule et ça donne ça. Le fait qu'il y ait un petit, moyen et grand, je trouve qu'en fait c'est joli. Donc je vais rester sur ça.
Et je vais faire la deuxième. Alors. Je mets ma grosse perle dans l'anneau, la petite perle dans l'anneau. Ensuite, comme ça. Et ma première paire de boucles d'oreilles est presque finie déjà. J'adore, franchement j'adore. Je pense que j'ai bien fait de mettre mon petit tapis en silicone pour amortir le bruit de quand je pose mes outils, parce que à mon avis j'aurais fait beaucoup beaucoup de bruit sinon. Hop. Voilà, et la deuxième boule. Et c'est fini. Voilà ce que ça donne. Je vous montre. Je mettrai une photo si j'y pense en exemple, en miniature. J'adore. J'adore, j'adore. Elles sont trop, trop choupines. Voilà. Là, je vais faire une pause. Je vais monter le collier et je vous retrouve tout de suite. Hop, à très vite. Alors, je n'ai pas fini le collier. Je voulais travailler un petit peu la chaîne et je voulais vous expliquer avant de le faire. Donc là, j'ai inséré donc ma boule avec un anneau. Là, j'ai ajouté un anneau, c'est juste pour que ma boule ne parte pas, parce que l'anneau est suffisamment grand pour que ça tombe. Donc voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever une maille à un endroit de ma chaîne et je vais venir ajouter. Là où j'aurais ouvert, je vais venir ajouter une perle comme ça. Donc les mêmes qu'il y a sur la boucle d'oreille. Et également une plus petite perle. Pour que là, en fait, la chaîne du collier et les boucles d'oreilles, la chaîne de la boucle d'oreille, soit en accord. Voilà. Donc je vais faire ça. Et je vous retrouve tout de suite. Alors là, je viens poser mes deux perles. Je vais pouvoir enlever mon anneau là. Hop. Puisque ma boule ne peut plus s'échapper. Voilà, elle est coincée entre les deux grosses perles. Et je vais pouvoir maintenant monter les deux plus petites. Hop. Donc là, il va bien falloir que je compte le nombre de mailles. Tac, entre les deux, pour refaire exactement pareil de l'autre côté, vous voyez. Donc je vais faire en sorte que ça soit égal, la distance soit égale ici et là aussi. Comme ça, ça fera plus joli. À très vite. Donc me revoilà et voici le collier terminé. Donc avec le petit pendentif en boule, enfin forme boule avec des strass à l'intérieur. Et voilà. Donc comme ça, ça sera parfaitement assorti aux boucles d'oreilles. Voilà. Hop. Est-ce que ça va tenir comme ça? Je pense pas. Si, ça tient. Voilà. Donc ensuite, je me suis déjà avancée sur la deuxième création. Donc j'ai déjà fait une boucle d'oreille parce que je n'avais vraiment aucune idée de ce que je voulais faire et de ce que ça allait donner au final comme résultat. Donc voilà, je vous mens pas, j'en ai déjà fait une. J'ai préparé le matériel pour la deuxième. Hop. Et maintenant, eh bien, je vais passer au montage. Donc il me faut de quoi mettre la boucle d'oreille dans le trou de l'oreille. Un anneau. Alors non, avant de commencer avec les anneaux, je vais commencer donc avec ça. Donc là, je vais me servir de la tige plate à bourron pour venir donc y mettre des perles.
3 de chaque. 3 roses qui sont un peu plus grosses que les transparentes et 3 transparentes. Voilà ce que ça donne. Et vous voyez au bout, ça fait vraiment très joli avec une petite boule ronde comme ça. Plus joli je trouve qu'avec une tige à bout plat. Mais après ça dépend aussi, ça va pas forcément avec tout. Là je trouve que ça fait vraiment très joli. Voilà, donc hop, là, je vais faire la petite fermeture. Voilà, ça va pouvoir rejoindre. Donc, est-ce que j'ai mis un anneau là pour accrocher à l'anneau? J'ai mis un anneau pour accrocher à l'anneau. Oui, donc j'ai bien un anneau au centre. J'espère que j'étais bien placée tout au long de la vidéo. J'ai un doute. Parce que je n'ai pas de retour image. Hein. Le téléphone est au-dessus de ma tête. Donc non, j'ai dit que j'avais utilisé un anneau pour mettre dans l'anneau. Hop. Donc ça, ce sera mon anneau principal auquel je vais venir ajouter les choses que j'ai prévues. Voilà, donc je reprends un anneau, là j'en ai d'ouvert. Vais-je y arriver? Voilà, c'est mis tout seul. Et donc là, je viens placer ça donc dans l'anneau que j'ai mis juste avant. Faut être patient quand on fait des bijoux. Hein. C'est des fois c'est ça va pas comme on veut. Faut surtout pas s'énerver. Juste un peu de patience. Voilà, prenez le temps. Faire des bijoux, franchement, c'est accessible à tout le monde, mais c'est vrai que c'est minutieux. Ça peut être rédhibitoire pour certaines personnes, mais sinon au-delà de ça, c'est vraiment accessible à tout le monde. Hein. Moi, je pense que vous l'avez compris, c'est pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment que vous l'avez compris. Je suis quelqu'un avec beaucoup de patience. Voilà, beaucoup de patience, je m'énerve pas facilement. Alors ensuite, il y a, je voulais pas vous montrer tout de suite, je ne sais pas si vous avez vu. Ensuite, j'ai fait le blanc. Donc le blanc, c'est avec... Ah, mais oui, j'ai oublié. Désolée, je vais devoir rectifier parce que... Eh bien parce que j'ai oublié une étape que j'avais fait sur l'autre. Autant pour moi. Donc là je vais enlever. Là, je vais ouvrir mon anneau. Et je vais ajouter 4 petites mailles. Ce sont des. C'est de la chaîne. Voilà. Avant de le fixer. À la tâche, enfin à ce qui va dans l'oreille. Voilà. C'est vrai que j'avais prévu de la petite chaîne. Hop. Et là, je vais reprendre un anneau. Voilà. Ah oui, j'utilise plein d'anneaux. Ça, c'est pareil. Ça fait partie des choses où je trouve que la qualité est importante. Les petits anneaux comme ça. N'achetez pas des anneaux trop fins qui ne tiennent pas. Voilà, assurez-vous que ce soit des anneaux assez épais et puis qui tiennent quoi. Que si vous tirez sur votre boucle d'oreille en passant votre main dans les cheveux par exemple, que l'anneau ne se défasse pas quoi. Voilà, ça arrive. On tire un petit peu sur son bijou pour qu'on s'accroche quelque part. Voilà, il faut que les anneaux tiennent quand même un peu. Hein. Voilà, donc j'ai rectifié. Maintenant, je vais prendre celui en 6 de 6 mailles. Donc, et je vais accrocher cette perle. Donc là, je n'ai pas mis d'anneau. J'ai fait directement passer ma perle
dans une maille de la chaîne. Voilà. Hop. En haut, il me faut un anneau. Pour mettre ici. Donc chez l'anneau principal, c'est celui-ci, voilà. Et ensuite, il me faut de nouveau, je vous laisse deviner quoi. Oui, un anneau. C'est tout à fait ça. Hop. Et je viens attacher mon petit pendentif fleur à ma perle de cette façon. J'assemble les deux. Voilà. Ça avance. Et ensuite, pour finir, donc il y a le pendentif rose. Donc lui, c'est l'anneau qui est directement accroché à la perle. Là, j'ai inversé le sens de la perle. Elle va être en haut, alors que là, elle est au plus près du pompon. Et pour le pendentif fleur, elle va être en fait au plus près en haut. Alors là, j'ai mis dans quel ordre? De toute façon, ça bougera, mais c'est dans le milieu. Alors, entre les deux. Voilà. Normalement, sinon, ça ne devrait pas bouger. Ça devrait rester tel quel. Tout va bien. C'est resté en place. Voilà. Donc, j'ai la perle rose. Là, je vais accrocher. Ma chaîne. Puis un anneau pour venir fixer le petit pendentif en forme de fleur. Et ça sera fini. J'aurai ma deuxième paire de boucles d'oreilles réalisées. Alors, il m'a fallu un tout petit peu plus de temps pour la première. Pour la simple et bonne raison que déjà d'une, j'ai mis un petit peu de temps à trouver comment je voulais monter ma boucle d'oreille. Et bien sûr, il a fallu que je fasse tout de A à Z. C'est-à-dire que mes perles n'étaient pas déjà sur les tiges. Mais voilà, ça prend pas non plus un temps énorme. Hein. Et voilà. Pour la deuxième paire de boucles d'oreilles. Donc j'ai fait en sorte que mes niveaux soient différents. Vous voyez, la bande de perles là n'est pas au même niveau que le reste. Le pendentif en forme de fleur blanc descend un peu plus et celui en rose encore un peu plus. Et voilà, ça fait des petites boucles d'oreilles qui pendouillent. Je vous montre la deuxième. Autant pour moi. Je vous montre rien du tout. Hop, faut que ça tienne. Et voilà. J'adore, franchement, je trouve ça très joli. Je trouve que c'est très féminin. Après, tous les goûts sont dans la nature et c'est pour ça qu'il y a autant de variétés de perles, de couleurs, etc. différentes. Donc, c'est possible que vous n'aimiez pas et je le respecte totalement. Mais moi, j'aime beaucoup. De toute façon, j'ai fait... je suis une catastrophe aujourd'hui. Je suis très maladroite. Non, mais c'est tout fin. Bon, bref. En tout cas, oui, forcément, j'ai fait quelque chose à mon goût et ça me plaît énormément. Alors, voyons voir. Je vais décaler un petit peu celle-ci. Ça tiendra mieux là-dessus.
Voilà. Je voulais me faire au cours de cette vidéo deux paires de boucles d'oreilles et puis le collier qui allait avec les boucles d'oreilles là. Je ne vais pas faire un collier qui va avec les boucles d'oreilles là, je les trouve assez chargées. Et quand je mettrai ces boucles d'oreilles ici, je ne mettrai que les boucles d'oreilles. Par contre, là, je trouve que ça fait pas encore trop chargé. Et si vraiment après, en les portant, ça ne me plaît pas, bah, je les porterai simplement séparément, quoi. Un coup le collier, un coup les boucles d'oreilles, et puis voilà. Voilà. Hop. Bon, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié travailler avec les pendentifs de chez BB Craft. Leur tige là est de bonne qualité. Franchement, je suis pas du tout mécontente. J'en ai d'autres quelque part, je ne sais pas où, que j'ai depuis longtemps, que je n'utilise pas parce qu'elles se plient trop facilement. Donc, je vais essayer de voir si je les retrouve. Voilà, elles sont pas en doré, mais elles sont de couleur argentée. Et elles n'ont aucune résistance, quoi. On en fait ce qu'on veut, certes, mais c'est-à-dire qu'après, quand on les monte sur... Vous voyez, je peux vraiment aisément les plier à la main, alors que les autres, non, hein, pas si facilement. Et après, quand on s'en sert pour mettre sur des bijoux, c'est une catastrophe parce que ça ne tient pas dans le temps. Donc voilà, d'où l'importance quand même d'acheter des choses qui ont quand même une certaine qualité sans pour autant aller acheter exprès de l'argent ou de l'or, hein, évidemment, pas pour ce qu'on fait, pas en tant que je sais pas, petite enfin amatrice en bijoux ou pour des petites choses dans le scrap, voilà. Mais bon, hein, faut quand même faire attention parce que ça, c'est de l'argent perdu. Voilà, enfin, je m'en servirai forcément pour autre chose à un moment donné. Pourquoi pas pour décorer dans la pâte polymère, etc. Mais pour faire des bijoux, non. Non, c'est pas possible. Voilà, donc la qualité chez BB Craft, en tout cas, quelle que soit la marque qu'ils vous proposent, parce qu'il y a différentes marques donc chez BB Craft, jusqu'à présent, j'ai jamais été déçue. Au contraire, je trouve que au rapport qualité-prix, c'est pas trop mal, franchement. Voilà. Donc c'est un plaisir pour moi de vous présenter leurs produits. Et du coup, bah, je suis contente parce que j'ai des nouveaux bijoux. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si ça vous a pas plu. Il n'y a aucun souci. Je respecte tous les goûts. Et puis, voilà, je vous le demande, hein, n'hésitez pas. Donc voilà. Je vous fais plein plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye bye.